Info, news, vauvau. Info, news, vauvau. Info, news, vauvau. En petit faline chano, yarapanatsika manaraka ni le carré la voix de Madagascar, amnisov tunso, tsnaz fafana funzmaka, irupano gazette rula, afeomni gazette Madagascar matin, d'intalien famoa, naraka Jean-Luc, snitunien ni fanjatan, d'anjiana binsu titie. Voilà, ainsi que taxon, ni fanazafani psoul favazirio, ni maître Raoul son vivier. Donc, le verdict sera prononcé ce vendredi. Excusez-moi, je peux commencer. Vendredi à 13h au 36. Nous, les avocats, on a demandé la liberté provisoire en attendant le verdict, mais le tribunal a rejeté notre demande. Pour quelle raison? Ils n'ont pas donné leur demande. Quels ont été les arguments de la défense? Il y avait beaucoup d'arguments. Tout d'abord, on a soulevé une certaine irrégularité au niveau de la procédure parce que les trois ministres, paraît-il, ont désigné un représentant. Or, quand on a vu le dossier, il n'y avait qu'une procuration au nom seulement de M. Yves Coutreau, mais il n'y avait pas de procuration au nom des autres, des deux autres ministres. Donc on a soulevé qu'il y a une nullité de la procédure. Et puis, on a aussi soulevé le fait qu'il y a une suspicion dans cette affaire, parce que pourquoi la lettre du lecteur qui était publiée dans le journal était bel et bien signée par un certain Mirad Rasulman, alors qu'on n'a pas inquiété cet individu. Pourquoi dans les autres affaires, si l'État est touché, il trouve tous les moyens pour trouver le suspect? Alors pourquoi dans cette affaire, on n'a pas fait tous les moyens possibles pour trouver cet individu? Donc pour nous, il y a une suspicion de sabotage dans cette affaire et que c'est une affaire montée de toutes pièces. Est-ce que vous faites comme détenu normaux en Calimor? Oui, en tout cas, d'après ce qu'ils nous ont dit, oui, c'était bien fait. D'accord, ils vont y rester jusqu'à vendredi 13h? Oui, donc jusqu'à la sortie du verdict, ils devront voir est-ce qu'à Calimor. Hitataratra nandritra ity fitaom-pitsarana ity ny firaisankina ny mpanao gazety amin'ny fanohanana ireo mpiara-miasa amin'ny rola ireo. Nanao akanjo fotsy sy mainty izy ireo ary nilanja solabaventy nanoloana ny fitsarana anosy. Mialonana trehana ny fitaom-pitsarana dia nizotra nanoloana ny ministera ny fitsinjaram-pahefana ireto mpanao gazety ireto. Hiaritra ihany koa fa maro ireo olontsotra tonga nanoana ireto mpanao gazety rola miditra amponja ireto. Hita teny an-toerana ihany koa ny mpanao politika vitsivitsy toa ny Alain Ramarson, Lalatiana Ravolomanana, misy olombavam-bahoaka Rasy Manana Paul Bera na Rosy. Tsy eken'ireo mpanao gazety kosa nefa ny anaovana fitaovana politika izao fanehoan'izy ireo ny firaisankinany amin'ireo mpiara-miasa amin'ireo.